Bonjour, bonsoir à tous, je suis Haru, bienvenue dans l'épisode 10 de Bioshock Infinite. Ça fait super longtemps que je n'avais pas tourné, et oui, il y a eu le déménagement, il y a eu le bac, il y a eu plein de choses, il y a eu un nouvel ordi, et il y a de nouvelles textures, magnifiques, incroyables, et aussi une nouvelle, comment dire, comment on pourrait dire ça, oui, de un nouvel ordi, et du coup, une meilleure qualité vidéo. Non, délicieux. Il faudrait par contre que je règle cette putain de... Ah, voilà. Bonjour. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie! Avec ce climat, ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me faut? Vous voulez quoi? La révolte ouvrière gronde, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Ah. Si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, on avait fait un putain de carnage à la tombola. Parce que, bah, il le fallait. Il le fallait, parce qu'il y avait les gens, ils étaient contre nous, et c'était pas très sympa. Et lui, il est mort. Et lui, c'est triste. Ça qu'aide. Genre, je sais plus ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre la fiole de cristaux. Et ça, c'est bon. Par contre, juste un petit quelque chose, je vais prendre. Regardez. Waouh, la souris qui est pas du tout rapide. Clavier souris. Sensibilité souris. On va baisser la sensibilité. Voilà, entrée. Voilà, voilà. Et on va. Je vais l'augmenter sur. Ouais, non, en fait, elle était bien en fait comme elle était avant, merde. Du coup, genre, elle est ultra, ultra rapide. Sensibilité, du coup. Voilà. Clavier souris. Hop. Voilà. On va dire c'est comme ça. Voilà. Et on m'appelle. Oh, calme-toi, s'il te plaît. Merci, moi. Ok, c'était bien en fait avant. On va tout régler. Voilà. C'est les petits réglages du nouvel ordi. Voilà, tout ça. Voilà. C'est vachement mieux comme ça. Du coup, si vous vous rappelez la dernière fois, le temps, je vais régler le son. Parce que aussi, le son n'a pas été réglé. Parce que je suis une personne qui ne sait pas régler les choses. Et du coup, voilà. Non, regardez, c'est modification, oui, voilà. Donc, la dernière fois, on avait su que notre cher ami, dont je me souviens plus son nom, mais ça va me revenir pendant la durée du let's play, qui nous accompagne, et vous allez me hurler dans les commentaires le nom, parce que c'est super simple à retenir, voilà. Et ça va me revenir durant l'épisode, ne vous inquiétez pas. Qui était la fille du prophète, et du coup on a pris ça, et du coup c'est fou. C'est fou la vie. Du coup voilà. Ensuite on devait aller chercher Monsieur Lin. Et sa femme nous a dit qu'il était au club Bagatelle. Voilà. Du coup on vérifie. Oh bonjour. Distributeur. Utilisez le kinétoscope. Voyons voir. La parole du prophète présente. On déplore une vague de mendicite et de vagabondage dans les logements ouvriers de je ne sais quoi. Enfin, de la ville, on va dire. De la ville. C'est triste. Les biens de Fink M. Fedris détruits. Oh. Cette tristesse. Et même pire. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, les tirs. C'est méchant. Fink accuse son directeur de la sécurité. Le grand patron ne supporte pas l'échec. Enfin. Ok. Merci. Bonjour, en distributeur, génial. Chargeur amélioré. C'est bien ça. Sauf que j'utilise quoi? J'utilise. Ça m'a l'air. Oh, merci. Elisabeth, voilà, merci. Merci Elisabeth d'avoir fait quelque chose comme ça, je me souviens de ton nom. Donc on avait appris qu'Elisabeth était la fille du prophète et on devait aller chercher Monsieur Ling. Je crois pour un truc à propos de, je crois, d'une révolution ou un truc du genre, je ne m'en rappelle plus vraiment, ça fait super longtemps que je n'avais pas tourné. Et là, du coup, sa femme nous. La porte s'ouvre toute seule. Attendez, je vais vérifier juste un truc. D'accord, nous on a quoi? Nous on a ça c'est le truc de la lunette. Le machin à lunettes. diminuer le fusil de précision. Enfin le truc de fusil de précision augmente la taille du chargeur de la carabine de 50%. Elle est de la 72, ça sert. Attendez, on va charger. Ok, je pense que c'est assez chargé là. Mais je pense qu'on en a pas vraiment besoin pour l'instant. Il y a un kit de soins, mais. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons.
Oula. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, Newit. Ah, et merde. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de PK. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. Ah, et merde. C'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas laissé un bras à l'ébanier. Pour l'instant. Je n'ai rien pour vous. Merde. Merci. Wow, il y a beaucoup trop de personnes en fait là. Oh. Votre bouclier brisé, merde. Qu'est-ce qu'il sait que c'est de mec? Où est-ce qu'il attaque? Je veux savoir! Au secours. Ouais, bah je suis blessé, merci. Je le savais, merci. Putain. Pourquoi je peux pas avancer? Voilà. Ok, lui aussi utilise les grenades en feu. Où est-ce qu'il est? Ok, merde. C'est pas bon. Ouais, non, ferme ta gueule, s'il te plaît. Ok, c'est déjà chaud dès le début. Ferme ta gueule! Merci. J'en aurais bien besoin. Merde, il est pas mort. Mais toi, t'es pas mort, toi. Ah oh, bah il est mort. Ok. Merci. Merci. Où est-ce qu'ils sont? Non. Non. Tu me tires d'où? Ah. Ah, pourquoi? Mais... ah, c'est avec ce coup là, c'est vrai. Merci. Donc une mitrailleuse, non merci, ça ira. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Pour une chanson. Merde. Oh et merde, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Fouh. Ah, ça va être chaud ça, par contre. Il me faut encore un peu de temps pour trouver. Merci. Booker, venez. J'ai... je vais voir. Merde. Si je peux trouver d'autres. Est-ce qu'ils sont où? Où est-ce qu'ils sont où? Je sais parler, bonjour, je suis concentré. Toi, arrête de bouger. Bonjour, au revoir. Merde, attends. Le restant ici, là. Oh putain, Elisabeth est tellement utile. Je t'aime beaucoup. Voilà. Ok. Oh non. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Non. Oh. Ok, c'est génial ce qu'on fait là. J'aimerais changer. Vous voulez des cristaux? Ah merci. C'est parfait. Yeah.
c'est bon ça. Oh. Et ben on s'en sort pas plus de... Oh, merde, j'ai rien dit. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Je voulais dire qu'on se débrouille pas trop mal d'ailleurs pour avoir, genre comment dire, repris depuis plus de 3 mois de nom, voilà. Hop. Merci. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué et je me débrouille pas trop mal. Voilà, je n'arrive plus à parler. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous annonciez Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la Absolument. Mienne. Absolument. Ferme ta gueule maintenant. Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Ouais. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Ouh, c'est pas fini, c'est fini. On dirait que c'est fini. Oh mon dieu! Putain, c'était chaud. Mais c'était cool, parce que je me suis bien débrouillé. Bon, maintenant on va essayer de... d'avancer dans ce magnifique niveau. Et de voir ce qu'il y avait au final en bas. Parce qu'il y avait du lance-grenade, il y avait tout ce qu'on voulait. Et au final on n'est pas descendu et c'était bien mieux comme ça. Il y a des kits. Ah là, ça c'est bon ça. Lance-grenade. Ben, ça ne sert plus à rien maintenant, vous savez. Hop. Hein? Fouiller de tourelle? Ah oui, super. Recharge. Booker, y a une porte ici. Ah oui. Je crois que c'est pour descendre. Ah bah attends une minute. J'ai pas fini de fouiller, s'il te plaît. Ah là-bas. Je charge des kits de. Des kits de soins, des fioles de cristaux. Ah putain, ça c'est bon ça. Tous nos cristaux directs. Ah, ça fait du bien de reprendre un petit peu BioShock Infinite, ça m'avait manqué. Alors. Ah, un voxophone. Écoutons ça. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis... non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Ah, c'est Fink. Forcément. Hop. Et ça nous amène en bas. J'adore ces pièges! Ces pièges délicieux! Oh là là! Ah, attendez, je vais les replacer. Je vais les remettre, ils sont tellement puissants! Oh! Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. D'accord. Trouvez la cellule de Chen Lin. Munition mitrailleuse LED. Tout est plein, on dirait. Ah! Hop! C'est verrouillé. Vas-y, Elisabeth. Montre-moi ce que tu sais faire. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Et voilà. Merci. Ah, c'est dur. En plus, c'est canon avec, avec ce qui s'est passé il y a quelques mois en France. Donc je disais, toi tu crèves, merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, des cristaux. Dites adieu à votre tête, absolument pas. Ferme ta gueule. Ah non. Ah, attendez. Non,
Non. J'ai cru entendre quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais, Elisabeth? Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Wow! Il s'est passé quoi? Il s'est fait électrocuter et en même temps brûler. C'était vraiment chelou ce qui vient de se passer. Qui vient de faire ça. Oh merde. Oh oui. Oh, what. Ok d'accord, j'ai mis sur la porte, il a explosé sur lui. Je sais pas, il y a eu un bug, je sais pas. Bah c'est génial, écoutez. Écoutez, on va écouter ce magnifique voxophone. Voxophone, pardon. Pas boxophone. Ça veut rien dire boxophone. Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel? Gens pour mériter d'être enfermé dans un endroit pareil. Fink n'a pas besoin de raison. Non. Non, c'est vrai. Cela n'est-il pas cruel? Mais permettez-moi de retourner la question. N'est-il pas cruel de bannir vos enfants du jardin de la perfection ou de noyer vos ouailles sous un océan? La cruauté peut être source de savoir. Et qu'est-ce que Columbia si ce n'est l'école du Seigneur? C'est le numéro 8. C'est chaud quand même ce qu'il dit. C'est du... ou 9, je sais plus. 5 crochets. Crochetage avec une épingle. On va voir ici. Elisabeth, ça m'étonnerait pas que... On y est, c'est bien ça. Ah, ouais. Non, numéro 8, il y avait un truc un peu plus intéressant. C'est fait. Deux petites secondes. 5 crochets, ok. Et j'en ai 5. Merde, on va rien garder. D8, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais. Fitzroy a fait appel à vous, mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt, pas de Yen. À part dans le roi lion, mais ça c'est une autre histoire. Je me dis, je ne sais plus comment on fait pour avoir des crochetages. Donc j'avais gardé les crochets pour d'autres portes peut-être bloquées. Par contre... Vous pouvez me dire, de toute façon je pense qu'on pourra revenir, peut-être, je sais pas, mais si on peut revenir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette porte, parce que j'ai pas envie de, voilà, de dépenser tous mes crochetages pour un truc qui est complètement inutile. Et ça sauvegarde. Et on a encore beaucoup de temps. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh merde, ça va être chaud. Ding. Attends, y'a pas de lumière? Ah si, là-bas, une lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Ah, c'était Monsieur Lee. Monsieur Lin. Ah, merde. Ah, ils l'ont ultra torturé. Ils l'ont torturé comment? Je suis intéressé par ça. Oh putain, d'accord, ils l'ont frappé. Inspectez le corps. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Mais qui... hein? Oh. Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker. Quoi, Chin-Lin? What? Plus de cadavres. C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Hein? Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais... mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en scène. Comment ils ont fait? J'aimerais y aller. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? What? Je savais qu'elle pouvait ouvrir des dimensions parallèles. Enfin, pas des dimensions parallèles, mais des portails vers un autre pays, comme Paris. La dernière fois, elle nous l'avait fait quand elle était dans sa cellule. Mais vers une autre dimension? Ça m'intéresse. Allons-y! Bon.
plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Ok, je vais garder cette arme, elle a l'air sympathique. Retourner à l'armurerie. Qu'est-ce qui se passe dehors? Hey, ça parlait pas des... Si, si, ça parlait Merde, des grèves et tout ça. Donc attendez, enfin un truc du genre. Merde, ah bah c'est ce qui se passe, non? Ah mais... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qui se passe ici dans cette autre dimension? Wow. Wow. Ah, attendez, il y avait un portefeuille, voilà. Merci. What? Comment elle a fait ça? Elle s'est téléportée. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Je ne suis pas fou. Vous l'avez vu. Elle s'est téléportée. Ah, 5 rochetés Rocky. Il y a une pile de cadavres en fait. C'est ce que je vois. Mais je ne vais pas y aller parce que... Parce que je sais pas. Ça m'a pas l'air très intéressant. Personne n'est mort en fait ici. D'accord, c'est plein. Personne n'est mort dans cette dimension, c'est bizarre. Hein? C'est... Dans une autre dimension, les choses se sont passées différemment. L'interrogatoire s'est arrêté. Et Monsieur Lin n'est pas mort. Waouh. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, ouais. Je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur... Attendez. Daisy Fitzroy et Ezra Roth. Ok, Daisy Fitzroy est toujours un peu damnée, je pense. Enfin, elle a toujours été un peu damnée, elle a pas été aimée par, je pense, la communauté. Enfin, je sais plus. Je sais plus, désolé pour toutes ces, comment dire, ces... J'allais dire ces médisances, ça veut absolument pas dire ça. Mais genre, pour donner les choses que je ne me souviens plus, ça fait des mois que je n'ai pas joué au jeu, ça fait depuis mon déménagement, donc avant les grandes vacances. Donc, excusez-moi si je me souviens plus des choses. Vous pouvez me dire en commentaire, voilà, s'il y a des choses et tout, dont je me souviens pas, qu'il faut que je me souvienne absolument, surtout par rapport à la popularité de Daisy Fitzroy dans le monde, dans le vrai monde, là où on était avant. Mais voilà, parce que j'en ai besoin. Parce que là, si Daisy Fitzroy était aimée dans le vrai monde, ce qui m'étonne, ça veut dire que les choses sont un peu inversées, mais ça m'étonnerait. Oh, c'est un codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi. Des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. Oh, objectif secondaire. Elisabeth peut décrypter des codes contenant des secrets de la Vox Populi. Trouver le code des codex correspondants pour découvrir des trésors secrets. Un objectif secondaire. Trouver le code de la Vox Populi. Oh. Oh. Non, du soda et des cristaux. Mais... Je les ai tués. What? Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Je suis dégoûté. Booker, leur nez... Ils sont bizarres. Attendez, il y a un truc là-dedans. Non? Qu'est-ce que... Wow, d'accord, c'est pas vraiment une dimension parallèle. C'est genre... je sais pas, c'est bizarre. Ah, un crochet. Je cherche le tour, comme ça on peut trouver cet objectif secondaire, pardon. Pardon pour la pause, je voulais essayer quelque chose. Du coup, non, attendez, mais ça veut dire que... Genre on dirait qu'ils sont conscients et en même temps inconscients qu'ils sont dans un objectif... dans un monde parallèle. C'est franchement bizarre. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent. Se rappellent quoi? C'est... Qu'ils sont morts. Horrible de se rappeler qu'on est mort alors qu'on n'est pas mort. Non, j'ai pas réussi à le trouver. Qu'est-ce que c'est que ce tourbillon, Hansmark? En tant que directeur de la sécurité, je vous conseille de me dire comment ces gens ont pu passer.
Merci. Cet homme qu'on vient de combattre. Oh. Dans l'autre monde. Oh. Oh. Dans l'autre. D'accord. Monde, toute cette histoire me colle mal au crâne. Le mec qu'on a vu qu'on savait pas qui était, qui était accroché au mur, avec écrit Saked. C'est lui qu'on vient de combattre. Par contre, il faut absolument du soin. Hein. Là, c'est mort alors. Ils se sont beaucoup trop approchés de moi ça rapidement. Et ça j'aime pas du tout. Oh. Ah oui c'est vrai ça fait un... C'est vrai qu'on peut faire des champs électriques comme ça. Je me rappelle petit à petit des pouvoirs. Excusez-moi. Oh, kit de soins 80%. Acheté. Merci. Un crochet. On va prendre deux. Voilà. Voilà. Je refais. J'ai refait mes provisions, on va pouvoir sortir pour voir. Ça fait 26 minutes qu'on tourne, à la prochaine sauvegarde on va pouvoir arrêter. Et on reviendra pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 11. Une infusion. J'ai besoin de santé. Je pense que ouais, j'ai besoin de santé. Je me dis, attendez, on n'a pas pris d'infusion de cristaux. Ça serait bien d'avoir plus de cristaux pour en balancer plus nos pouvoirs. Allez, cristaux. Voilà. Bien. Voilà. On a tout pris. On est que des voleurs, mais c'est notre métier. Attendez. C'est par là. Les portes s'ouvrent toutes seules. J'ai l'impression que c'est hanté. C'est chiant. Baiser du diable assisté. Le petit projectile. On va créer un effet de chaîne entre l'action des ennemis. Puis une seconde. Ah oui, c'est vrai, ça fait voler les gens, ça. C'est vrai. Putain. Déferlante assistée permet de créer un effet de chaîne entre les... D'accord. Augmente les dégâts. Ouais, non. C'est pas très intéressant. Est-ce que ça serait pas genre le même kinétoscope qu'on a regardé? On va vérifier ça. La première dame, William Air Foreman. Intéressant. C'est tout? C'est triste. Waouh. Vraiment? Réellement? Voilà. Progression de succès 5 sur 37. C'est cool ça. Bon, mais du coup, j'ai mis un piège pour rien, hein, du coup. Et je vais repartir sur mes éclairs. Écoutez. Voilà, on utilise tout. Il y a une porte, mais ça doit être la porte des toilettes. Booker, prenez ce crochet. Ouais. Ça, ce crochet. Ah oui. Je l'avais pas vu, merci. Y'a rien d'intéressant. Ah, si, y'a un sac à main. Ah oui, c'est vrai, faut monter. Je viens de me rappeler. Hop. J'essaierai d'utiliser un meilleur escient. Enfin, pas meilleur escient, mais. J'essaierai d'utiliser d'une meilleure façon les éclairs pour le prochain épisode. Attendez, mais. Mais ça. Attendez. Mais c'était là où était, genre, le. C'était là où était l'endroit où on pouvait prendre le. Oh, yes. Le lance-roquette. Attendez, mais ça veut dire que... Ici, il y a un pack de soins, non? Ah non, il n'y a pas de pack de soins. Je n'ai rien dit. Et là, il y a un kinétoscope. On va aller regarder parce que ça nous fait avancer notre petit succès délicieux et incroyable. L'armerie est libre. Une production de kinétoscope à Columbia. Marque spéciale cassée. Oh mon dieu. Et ça, c'est la création. Les accusés se contre Tianlin abandonné. Oh. Qu'a-t-il bien pu se passer? Nous le découvrirons au prochain épisode. Absolument pas.
N'oublions pas que son beau-frère est directeur de la sécurité chez Fink. Enfin. Merci. Toi, tu as un distributeur de chargeurs amélioré. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Ça m'aide beaucoup. J'ai quoi comme arme? J'ai une arme rouge comme ça, qui est une arme, qui est une carabine. Donc augmente. Oh putain, oui, je prends. Ah, le délice. Voilà, j'aurai beaucoup plus de munitions à la. Hop là. Donc c'était ici. Vous vous rappelez, c'était ici où il était accroché le mec. Et on va sortir d'ici, on va peut-être arrêter l'épisode après. Exactement, il va y avoir sûrement une sauvegarde. Et on va pouvoir arrêter là. Comme d'habitude. Et sauvegarde. On arrête ici, j'espère à tous que cet épisode et que la reprise de BioShock, enfin vous, c'est pas une reprise de BioShock, mais pour moi oui, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner et tout ça. Je sais que ça vous fait chier, mais c'est quand même quelque chose de cool. Du coup voilà, ce qui est cool c'est bien, donc voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, et voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à le partager et tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.